Dans la cassette numéro 1, on avait étudié tous les coups de pied de base du taekwondo, donc les coups de pied directs, les coups de pied circulaires et les coups de pied retournés. Nous abordons aujourd'hui le panda de Chagi, coup de pied demi-circulaire. Alors le panda de Chagi, qui a priori est un des coups de pied les plus simples, en fait il s'avère qu'au niveau des statistiques, c'est le coup de pied le plus efficace. 8 coups de pied, 8 points marqués en compétition sur 10 sont marqués avec le panda de Chagi. Donc partant de là, il était intéressant de décliner toute la méthodologie d'entraînement qui était liée à ce coup de pied pour arriver à être au top au niveau des méthodes de compétition. Les combattants et les coachs appellent ce coup de pied « pitchagi ». On retiendra donc deux terminologies, « pandalchagi » ou « pitchagi ». Chaque étude de coup de pied sera illustrée par des séquences de haute compétition. Les déplacements, en fait, on se rend compte que c'est la base du taekwondo moderne. Partant d'une technique qui, basiquement, est très simple comme le pandalchagi, c'est la maîtrise des déplacements qui permet d'être efficace ou non. Si on analyse un peu les combats des champions du monde, des Coréens ou des compétiteurs de haut niveau, on se rend compte que c'est la maîtrise des déplacements qui leur permet de marquer leurs points. Nous avons voulu faire partager à tous l'expérience de la haute compétition en réalisant un outil où chacun, coach, entraîneur, combattant, trouvera des éléments concrets de travail. C'est un outil pédagogique dans lequel on a essayé de livrer clé en main des méthodes d'entraînement, des exercices qui permettent aux entraîneurs, aux instructeurs de préparer leurs athlètes et également aux athlètes de se préparer pour la compétition de haut niveau.